Le parc de l'île Melville bat présentement des records. Dimanche, c'était la plus grosse en 4 ans, en tant que revenu. Dimanche passé, puis lundi aussi, ça ressemblait pas mal à dimanche. Pourtant, la saison estivale avait commencé difficilement. Les périodes les plus achalandées ne sont plus les mêmes. Le mois de mai, j'ai ouvert, il y avait de la neige. Mes tuyaux de camping étaient gelés. Fait que le mois de mai, nous a fait un petit peu mal par rapport à l'année passée. Mais quand je vais voir les chiffres au mois d'août, d'après moi, on s'est rattrapé en mois de juillet. À la Cité de l'énergie, là aussi, les touristes se sont fait attendre. Et les billets pour le spectacle NESA du Cirque Éloise étaient moins convoités en juillet qu'à pareille date l'an passé. Je dirais que les vacances se prennent un petit peu plus tard. Donc, on a été quand même occupés tout l'été, là, depuis le mois de juin, mais on constate vraiment que le gros boom là, est en ce moment, au mois d'août. Donc, au début, on était un petit peu en retard dans nos statistiques, puis là, on est en train de rattraper avec un beau mois d'août super achalandé. Les restaurateurs de Shawinigan ont également constaté que cette année, les touristes sont arrivés plus tard qu'à l'habitude. On remarque que juillet a été assez tranquille quand même. On a eu quelques touristes, oui, mais pas comme on s'y attendait. Tandis que depuis que août est arrivé, en fait, dans les 2 dernières semaines, c'est là vraiment qu'on a senti un essor. 99 % des clients que j'ai eus étaient des Français, en fait, des familles de Français la semaine dernière. L'achalandage est aussi bon dans les hôtels. Pour certains hôtels, mois d'août, c'est pratiquement complet. Donc, ça va bien. Au niveau des gîtes, ça va bien aussi. Les agents du bureau d'information remarquent aussi que les visiteurs à Shawinigan ont tendance à rester de plus en plus longtemps. Ils dorment sur place. Amélie Marcoux, TVA Nouvelles, Shawinigan.